On joue contre les Ducks ce soir. Il y a deux jours, on a perdu contre l'Oilers d'Edmonton. 4-3, on a perdu contre l'Oilers d'Edmonton. On est 2-0 contre l'Oilers d'Edmonton. On a perdu 4-3 contre l'Oilers d'Edmonton. On est 2-0 contre l'Oilers d'Edmonton. On a perdu 4-3 contre l'Oilers d'Edmonton. C'est quoi l'idée de perdre contre l'Oilers d'Edmonton? L'Oilers d'Edmonton. L'Oilers d'Edmonton. Mais ma grand-mère endormie avec un filet de bave dans son fauteuil enveloppé au cordier vert kaki gagnerait tout seul contre l'Oilers d'Edmonton. Les Canadiens perdu contre l'Oilers d'Edmonton. Contre qui? Contre les Edmonton. Où est-ce qu'ils sont, les Edmonton? Sont Edmonton. C'est où, Edmonton? C'est en Alberta. Masculin de Alberta, Albert. Albert pour qui? Albert Einstein. Qui que ça prend pas pour conserver une avance de 2-0 contre les Edmonton? Albert Einstein, voilà le lien. Là, ce soir, je joue contre les Ducks. C'est quoi un Ducks? C'est un canard. Ils vont pas les perdre contre un canard. C'est comme le chasseur qui dit à sa blonde, mais on va te ramener un beau canard ce soir, ma chérie. Arrive d'où, finalement, c'est le canard qui pogne le chasseur, l'amène à sa blonde, dit, garde, trouve un beau morceau de viande carottée avec une casquette, on se fait un bon magret de colon. Non, monsieur, non, monsieur! J'ai essayé d'avoir perdu une avance de 2-0 contre les Edmonton. Mène 2-0, tu perds 4-3. C'est un peu comme traverser le désert en chameau, puis ça va super bien, t'as 80 km à faire. Le chameau vole quasiment avec le sourire en chantant du Rihanna, tout du coup, on va arriver avant le temps, puis d'un coup, pouf, 41e km, ton chameau fait une crise cardiaque, ton batteur chie sur ta bouteille d'eau, puis il meurt, puis 4 bandits armés arrivent, te volent ton cellulaire, t'attaches après le chameau, puis te laissent là, il y a les 20 serpents sonnettes. Tu gagnais, mais t'as perdu. Les Canadiens gagnaient, mais ils ont perdu. Contre qui? Contre les Edmonton. Y'en a qui disent, je suis défaitiste. Je suis pas défaitiste du tout. C'est quoi le contraire de défaitiste? C'est un fétiste. Qu'est-ce qui fait le fétiste? Fait du fromage fait de toi. Est-ce que je suis contraire de ça? Non. Toujours un qui est content, toujours un qui est pas content. Toujours un heureux pour un malheureux, malheureux pour un heureux. Je suis même très positif, car moi, l'hiver, j'ai un enneigeur. En fait, c'est le déneigeur de mon voisin, mais quand il déneige mon voisin, il va l'année chez nous. Fait que je l'appelle mon enneigeur. Je prends ça positif, je me dis, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé contre les Osmond? Ça s'est pas passé à défensive. Ça s'est pas passé à défensive. Attention, quand je dis défensive, je ne parle pas de Yves Corbeil qui revient de Safari avec une défense d'éléphant dans le derrière. Je parle de confusion au centre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, gagner contre les canards ce soir? Merci.